Ouais les gars, nouvelle vidéo sur le Skyblock, mais avant ça je vous prends quelques petites minutes pour vous présenter la nouvelle version d'Alcazia Outsider qui ouvre ce samedi 16 décembre à 18h. Donc c'est une version particulière d'Alcazia qui vont faire une version 100% inédite. Donc les factions seront composées de 10 membres sans alliés, il n'y aura pas de boutique, vous pourrez pas acheter de grades, de kits, etc. C'est donc aux joueurs de faire l'économie du serveur en vendant leur stuff contre de la monnaie, etc. Pour l'achat de spawners, ça sera in-game, vous devrez farmer de la monnaie et poser vos spawners dans vos claims, mais il faudra faire attention car les spawners sont cassables dans les claims. Concernant les events, vous gardez tous les systèmes des events d'Alcazia auparavant. Et également, vous avez un système d'ajout de MMR et d'Elo en fait. Ça va vous permettre de vous classer dans un grade de faction, on va dire, de moyen, fort et faible. Vous serez répartis dans les différentes maps en fonction de votre grade de faction. Comme ça, vous serez entre guillemets équivalent par rapport aux autres factions et il n'y aura pas de gros désavantages. Et ça vous permettra en fait aussi de farmer des loots et après d'augmenter au fur et à mesure. Et pourquoi pas viser le grade faction moyen ou alors fort. Ils ont aussi fait une refonte globale de tous les events PVP. Donc voilà, aussi il y a une chose importante à savoir, c'est des factions de 10. Mais les events pourront se jouer à 6 au maximum. Donc voilà, il faudra bien choisir vos joueurs pour gagner les events et devenir aussi donc la meilleure faction. Et encore également pour les events, c'est formidable. Il y a un anti-focus qui est mis en place. Et vous aurez votre pseudo, votre faction et les skins cachés. Donc voilà, c'est incroyable. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations pour rapport à tous les points que j'ai cités, vous pouvez aller sur le Discord. Chaque point sera bien détaillé. Et les lots est recalculé à chaque fin d'événement. Donc en fait, dès qu'un event est fini, hop, ça va s'actualiser, même pour ceux qui n'ont pas participé aux events. Et aussi, point très très important, les amis. Il n'y a pas de TP, vous pouvez pas vous TP entre joueurs, vous pourrez uniquement faire slash spawn ou alors le slash FOM. Donc voilà, c'est en sorte d'hardcore faction, mais qui revient aux sources, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Il y a aussi les métiers qui sont poussés, il y a une dizaine de métiers disponibles sur le serveur, je vous laisserai découvrir cela in-game. Donc les amis, moi je vous donne rendez-vous le samedi 16 décembre à 18h sur Alcazia, je serai en stream sur Twitch. Je vous mets le lien dans les commentaires, merci à vous et bonne vidéo à vous sur le serveur Skyblock les amis. Ouais, les gars, donc voilà, nouvelle vidéo sur App Network. Donc voilà, dans cette vidéo-là, on va faire un bel opening ainsi que des présentations de différents deals du serveur. Donc voilà, je vous refais gagner 600 pièces. Donc voilà, marquez votre pseudo dans les commentaires avec une autre idée de vidéo ou une sorte de challenge que je pourrais faire en vidéo ou en live. Je vous mets également mon Twitch et le Discord commun dans la description. Et puis voilà, ciao bye. Et le gagnant de la dernière vidéo est dans les commentaires et dans la description. Donc voilà, ciao bye Cimer et bonne vidéo à vous. Ouais, du coup, voilà, avant la présentation de quelques îles sur le serveur, j'ai pas mal de clés à ouvrir de la part de Precisand. Donc voilà, grand merci à lui parce que bon, il m'a filé pas mal d'items d'Halloween et ces clés-là pour l'opening. Du coup, voilà, on va faire cet opening-là. Et ensuite, la présentation des îles. Donc voilà, c'est parti. Bon, je spam un peu les clés de vote, hein, on s'en fout un petit peu des clés de vote. C'est pas... On gagne pas mal d'XP de métier, ça c'est cool en vrai. Bûcheron, ça m'intéresse en vrai. Pêcheur, ça peut me servir pour après. Mineur, on s'en fout maintenant. Du coup, en vrai, ouais, ça va. J'ai pas fait gaffe à combien d'argent j'avais gagné, mais en vrai, c'est cool. On va ouvrir les 3 clés quêtes, comme ça au moins c'est fait. 4 blés compactés, 16 blocs de diamants et d'émeraudes. Donc, il est pas foufou par contre, cela. Hop, on va ouvrir les luies divines après la cosmétique. Alors, première clé 175K. Ouh! 5000 XP dans tous les métiers, ça régale. Hein. Ça m'a fait 15K en plus dans chaque métier. Du coup, là, pêcheur, je suis passé niveau. Ok, bûcheron, ça va bien monter aussi. 25K, on s'en fout. Bon, ok, bah, full monnaie. Pêcheur, on prend parce que ça va être le prochain métier après le bûcheron à up. Bûcheron, on prend de zinzin. Putain, let's go. 150K et 200K. Bon, bah, j'ai fait full monnaie. Et attention à vos oreilles. 3, 2, 1, let's go. Il faut un cosmétique, pas de tag. Les tags, on s'en fout complet. Ah, ouais. Bon, 50 pièces. Du coup, en vrai, ça se fait, ça se prend. C'est un peu dommage pour le coup. Du coup, voilà ce qu'on a eu. Et je pense qu'on a fait pratiquement 1 million. Un bon petit million de monnaie en plus. Donc, ouais, bah, merci beaucoup. Apprécié encore une fois. Et moi, je vous dis bonne vidéo à vous, les amis. Ouais, donc voilà. On rouvre 2 clés Halloween. Épée de Jack, ok. Ça va, c'est pas le pire. Et bouclier. Oh, la dinguerie. Oh, nice. Bah, un item de plus. Si tu peux vendre l'épée machin pour tirer de l'oseille. Hop, donc voilà, bah, je vous reprends pour la prochaine séquence. Ciao bye. Donc voilà, on va présenter quelques îles, comme je l'ai dit dans l'introduction, etc. Donc on va commencer par celle d'Ipso, après on ira voir celle de Wapiti, et ensuite encore 2-3 îles, certainement celle de Dragon, et une autre île en plus. Du coup voilà, il y a longtemps que je suis pas passé sur l'île d'Ipso, mais en tout cas, c'est une petite dinguerie.
Le truc rend trop bien. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une map qu'ils avaient fait Epicube. Alors, pas vraiment, mais genre, je sais pas, un truc de Shipwars. Je sais plus sur quel serveur, mais en tout cas, il y a une map qui ressemble. Et en vrai, c'est bien sympa, toi. J'aime bien comment le bois de jungle, y a personne qui l'a utilisé. Après, là, c'est du spruce, vous allez me dire d'accord, mais là, par contre, là, c'est super bien. Je trouve ça hyper classe en vrai. Ouais, moi j'avais prévu de faire ça aussi comme petit build également. Et après j'ai vu qu'il voulait, voilà, il voulait faire ça aussi. Tout autour, il a dû passer énormément de temps à faire ça. Ça doit être une dinguerie. Ici, par contre ça c'est, ça je pense c'est un truc à faire en vrai. Il faut avoir la motivation. En tout cas c'est hyper classe tout ça aussi. Ok, c'est son shop à l'intérieur. Ouais mais à l'intérieur c'est même build. Le plus dur d'un build pour moi, c'est de build à l'intérieur. Et franchement, c'est hyper stylé. Hop, donc voilà, je pense avoir fait tout le tour à l'intérieur. Voilà. Et donc, on va aller voir celle. On va aller voir, pardon, à celle de Wapiti. Donc voilà, ils sont trois sur leur île avec Chipson, si je ne dis pas de bêtises, et Ferdon. Et donc ici, c'est leur shop, un petit village shop. Et là, il y a le dragon. Je pense que c'est l'une des îles qui a le plus avancé vite. Ici, ils ont leur maison que je vous ferai voir juste après. J'ai vu qu'ils avaient commencé un autre build ici, ouais voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Bien sympatoche. Ils adorent les blocs colorés, c'est une dinguerie. Ils adorent les trucs qui flashent. Et après vous avez en bas, voilà. En bas dites-vous avant c'était full stone, etc. Ils ont tout fait ça en plusieurs jours. Ah oui ici voilà, il y a le château aussi qu'ils ont commencé. Encore avec des blocs bien colorés. C'est fou hein, ils auraient pu mettre un autre bloc, je sais pas pourquoi ils ont mis du rose pétante. En tout cas, ça rend bien quand même dans tous les cas. Voilà, bon, l'intérieur n'est pas encore fait. Du coup, voilà. Je vous reprends bah, pour la prochaine base à piller. À piller. Je suis un peu trop cru en faction. Je vous reprends pour la prochaine base à visiter. Ouais, donc voilà. On se retrouve sur l'île de Dragon. Donc, tout simplement, c'est un nouveau joueur qui arrive à peu près en même temps que moi sur le serveur. Et sauf que lui, il est tout seul. Et franchement, c'est bien sympa. Donc, on va commencer par sa salle des coffres avec un peu un style japonais. Donc voilà, ça le décoffre vraiment sympatoche. Après ici, vous avez une sorte de hangar où il met ses minions à minerai, etc. qui va permettre de payer ses métiers ou bien de monter ses collections. Ici, c'est son hangar aussi à four semi-automatique. Et ici, son musée à poissons. Donc voilà, j'ai prévu de faire ça aussi sur le serveur avec un musée pour mon côté l'armure Halloween que j'ai. Pratiquement fini, il me manque la pioche en gros item. Donc voilà. Ici voilà toutes les sortes de poissons qu'on peut pêcher en modé. Donc voilà, hop là. Et après je sais pas s'il a prévu de mettre autre chose, je ne sais pas. Je pense qu'il va mettre d'autres items. Et ici c'est le truc Halloween. Et en bas c'est ses cultures, ses farms et sa mine semi-automatique qui va permettre de faire un générateur en grande taille comme nous sur notre île en gros. Moi j'aime bien commencer à agencer ici en fait avec les minerais, les fours. Et voilà, ici, c'est un petit qui fait qu'une petite piste d'hélicoptère. Du coup, voilà, je vous reprends pour la prochaine île. Et voilà. Maintenant, on va passer au warp de Tevereko. Donc voilà, c'est la première fois que je viens sur son île. J'avais vu qu'il avait un warp, donc je vais en profiter pour découvrir en même temps que vous. Et son warp Halloween m'a l'air fort sympatoche. Bah, du moins, l'extérieur, il m'a l'air super clean. Ah oui, c'est stylé. Ah non, il a mis les bons blocs, en vrai, c'est hyper stylé. Ah ok, ouais, pas mal. Ah non, c'est sympa. Ok, ici il a un étage qui continue. Ok. Il y a plein de petites pièces. Ouais, c'est gigantesque, hein. What the fuck? Ici, ok. Là, c'est une sorte de grenier. Ah ouais, non, il s'est donné. Je ne sais pas combien ils sont sur leur île en tout cas. En tout cas, je sais que c'est des joueurs qui sont quand même assez actifs. L'extérieur. Je peux me focaliser à vous montrer l'île entièrement. Hop. Et ici, c'est un hangar aussi à minions. Ouais, j'aime bien. C'est des trucs de chien, ça, de wok. Donc, je sais pas c'est quoi le bloc. Oh, bah son île XXL ici, une usine à bois. Jardin. Ah, son île, elle est très très grande. J'ai jamais fait attention. Ici, on a quoi ici? D'accord. Je ne sais pas, une sorte de petite place marchande. Ok, là, ici, pareil. Ici, maison de construction. Ok. Et ici, ok, une sorte d'église. Je ne sais pas. Ah, ouais, c'est une église, d'accord. On va prier le Seigneur, les amis. Ah, surpris du build. Et après, voilà, après, je pense que j'ai fait tout le tour. Du coup voilà, on va terminer par ma petite île à moi. Donc voilà, ici Halloween car ça a pas mal avancé par rapport à la dernière vidéo. Halloween j'avais pas avancé, bah j'ai rien fait de plus. Hein. Ici on a la montagne qui a été terminée.
Et il faut que je finisse de la custom un petit peu. Mais en tout cas, le shop est ouvert si vous voulez venir. Je vends des beacons, des celestiques, des villageois, des éclats de spawner. Je vends des doublets compacts. Bon, tout est vendu, mais il faudrait que je remette en stock. Ici, des spawners quand il y en a, bah voilà les prix. Ici, des bottles d'XP, donc voilà. Par contre, l'intérieur est méga stylé. Je suis bien content de mon build pour une fois. Et après, là, on a la maison qui a été finie totalement, où on met notre salle des coffres, bah, qui n'est pas encore build à l'intérieur. Mais notre salle des coffres a été faite. Je ne sais plus si je l'avais montré, mais en tout cas, voilà. Et encore merci aussi pour les retours sur la dernière vidéo. Elle a bien fonctionné. Merci beaucoup. Et voilà, merci. Ici encore le générateur. Ici, c'est où je vais faire mon bois pour mon métier de bûcheron. Et après, je pense que j'ai fait un peu le tour. Hein. Ici, le hangar à minions, je pense pas que je l'avais montré. Donc voilà, j'ai fait un hangar XXL pour les minions. Ici, une sorte de grenier que je dois finir aussi. Mais après, il y a du coup là, tous les minerais qui est nécessaire. Avec des minions, des pioches, un rab et du diamant pour level up les minions à minerais. Du coup, voilà. Moi, je vous dis ciao bye, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et voilà, merci, oublie pas de liker et de rejoindre le serveur play.hypenetwork.fr en 1.18.2. Donc voilà, merci à vous et je vous mets aussi mon Twitch également dans la description.